On nous dit que l'unité est le carré. Donc un carré ici représente une unité et on nous demande d'écrire l'aire de la surface coloriée sous forme fractionnaire et sous forme décimale. Alors, mets la vidéo sur pause pour y réfléchir de ton côté et puis on se retrouve. Donc ici, on a un carré entier qui est colorié, c'est 1, un, une unité. Et puis tu vois que chaque carré est divisé en alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dix parties égales, donc chaque partie représente un dixième. Alors dans le deuxième carré qui est ici, on a en fait deux de ces barres qui sont coloriées. Ça, ça correspond à deux dixièmes. Donc ici, on a deux dixièmes. Alors on pourrait dire que la surface qui est coloriée, c'est 1 et 2 dixièmes. Mais ça, c'est pas tout à fait ce qu'on nous demande, puisque ça, c'est ce qu'on appelle un nombre fractionnaire. Et ce qu'on nous demande, c'est de l'écrire sous forme de fraction, sous forme fractionnaire. Ça veut dire comme une seule fraction. Ça, en fait, c'est 1 plus 2 dixièmes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ben, Tout simplement, je vais juste compter combien j'ai de dixièmes en tout qui sont coloriés. Ici, en fait, j'ai tout le carré qui est colorié, donc ça correspond à avoir colorié 10 dixièmes. Tu peux les compter, il y a 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10 dixièmes, qui sont coloriés ici, plus ces deux-là, donc j'ai 11 dixièmes et 12 dixièmes ici. Donc la fraction c'est 12 dixièmes. 12 dixièmes. Alors il nous faut aussi euh, trouver la forme décimale de ce nombre-là, donc de 12 dixièmes. Alors 12 dixièmes c'est 12 divisé par 10, donc c'est 1,2. Et ça c'est intéressant parce que ici on voit bien cette forme-là. En fait, 12 dixièmes c'est une unité plus 2 dixièmes. Donc une unité c'est 1 et 2 dixièmes c'est 0,2. L'écrire ici 0,2. Donc finalement on a 1 plus 0,2 qui correspond exactement à 1,2. Voilà, je te propose d'en faire un autre. Ici on nous dit que l'unité est le carré quadrillé. Donc tu vois que chaque carré ici représente une unité. Donc ça c'est 1, un, une unité. Et puis tu vois que contrairement à tout à l'heure, on a divisé le carré, donc notre unité, en plusieurs petits carrés, tous identiques. Alors combien il y en a exactement bah, Tu vois qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Donc en fait, on a 10 fois 10, c'est-à-dire 100 petits carrés. Ce qui veut dire qu'un petit carré ici, c'est 1 centième. 1 centième. Alors on nous demande comme tout à l'heure d'écrire l'air de la surface coloriée sous forme fractionnaire. Et sous forme décimale. Alors sous forme fractionnaire, on peut déjà réfléchir comme ça. Ici on a un carré entier, donc c'est une unité. Là on a un autre carré entier qui est colorié, donc une autre unité. Alors maintenant il faut qu'on compte combien on a de petits carreaux qui sont coloriés ici. Alors on va essayer de le faire un peu intelligemment. Je sais que chaque ligne contient euh, 10, 10 carreaux. Et puis ici j'ai, alors j'ai déjà toutes ces lignes-là qui sont complètes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, c'est 7 lignes. Et donc, en tout, ici, on a 10 fois 7, c'est-à-dire 70 carreaux. Plus les 4 qui sont ici. On a 4 carreaux ici. Et donc, en tout, on a 70 plus 4, c'est-à-dire 74 carreaux. Et chaque carreau représente 1 centième. Donc ici, on a en fait 74 centièmes qui sont coloriés. Donc tu vois que comme tout à l'heure, on pourrait écrire que la surface coloriée, en fait, c'est 2 plus 74 centièmes. Mais ça, ce n'est pas la forme de la réponse qui est attendue puisqu'on nous demande une fraction. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ben, Soit, si tu sais calculer avec les fractions, tu peux mettre ça au même dénominateur et faire cette addition. Ou alors, ce que tu peux te dire, c'est que ici, en fait, j'ai 100 centièmes. 1, hein, une unité, c'est 100 centièmes. Donc là, j'ai 100 centièmes aussi. Donc on a 100 centièmes plus 100 centièmes plus 74 centièmes, c'est-à-dire 274 centièmes. Et la fraction, c'est donc 274 sur 100. Alors maintenant, pour la forme décimale, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va diviser 274 par 100, et ça, ça nous donne 2,74. Et tu vois que là aussi, on reconnaît cette forme-là. Hein. On a deux unités, les deux unités qui sont ici, plus 74 centièmes, et 74 centièmes, c'est 0,74 sous forme décimale.